is it game over? Hey, j'espère que vous allez bien ma team YouTube, moi ça va très très bien et aujourd'hui je suis super contente de vous retrouver pour un crash test. Vous n'avez pas pu louper cette information, Sananas a sorti sa marque de maquillage Autrera. Sa team m'a gentiment envoyé le colis presse et j'ai décidé d'ouvrir tout ça en vidéo avec vous et surtout de tester et de vous dire si la hype est injustifiée ou si les produits sont vraiment bons. Vous l'aurez compris, j'ai réalisé mon make-up du jour avec ces produits, mais peut-être pas que. Est-ce que j'ai eu besoin d'utiliser d'autres pinceaux? Est-ce que j'ai eu besoin d'utiliser d'autres produits? Est-ce que c'est trop poudreux? Est-ce que c'est pas pigmenté? Est-ce que c'est trop cher? Est-ce que oui ou non, je vous conseille d'acheter ces produits Autrera. Mais avant, si vous êtes content de me retrouver dans un contenu crash test beauté, ça fait si longtemps wesh, n'hésitez pas à exploser le compteur des likes et à vous abonner à ma chaîne si c'est toujours pas fait. Ouais, c'est bien, tu connais. Vous êtes prêts? Eh ben on y va alors, qu'est-ce que t'attends? Dépêche-toi, allez, allez, allez. Ta-ta-ta-ta-ta-tam-tam. Autrera. Voici la petite boîte presse que j'ai reçue à la maison hier matin. Comme vous pouvez le voir, on est sur une boîte beige avec le logo doré. C'est trop joli. Je trouve le logo vraiment réussi et ça me fait grave penser au tatouage de Sana. Je sais pas si c'est fait exprès, je crois qu'elle l'a pas dit dans sa vidéo ou alors j'ai pas entendu. Il y a un tiroir en dessous avec la fameuse palette et les 5 bases à yeux. Et au-dessus, on a l'éponge, la houppette et les pinceaux. Moi, j'en ai perdu 2 et je pense que malheureusement, désolé Sana, mais je vais devoir arracher le carton pour récupérer les 2 pinceaux manquants. Et franchement, ils sont où? Vraiment, Ah, ils sont là, hein! Ils sont là, mais où? En fait, je pense qu'ils sont vraiment dans les boîtes, là, dans les carrés. Oh non, mais ça fait trop de la peine! Je les vois! Come on! Ah, je les ai eus! Yes! Première étape, ça c'est fait. Évidemment, je vous mettrai la vidéo de Sana dans le petit pour que vous puissiez avoir tous les détails sur sa marque et sur la signification de tous les noms, etc. Autrefois, les femmes Amazon se coupaient en seins pour mieux tirer à l'arc et cela faisait partie de leur féminité. Ce n'est pas leur corps qui les qualifiait, mais bel et bien leur force, leur persévérance, leur respect et surtout la solidarité et l'amour qu'elles se portaient. Est-ce que vous le saviez? Car moi, je ne le savais pas du tout. Aujourd'hui, je veux faire de Autrera ce lien qui nous unit tous, telle une flèche décochée de l'Antiquité et traversant le temps afin de retrouver les féminités d'aujourd'hui dans le but de les aider à affronter leur quotidien de guerrière. Bon, blablabla, parce qu'après vous allez vous endormir. Avec tout mon amour, toute ma force et toutes mes bonnes ondes, je vous souhaite la bienvenue dans la tribu Autrera. Elle vous écoutera et vous épaulera comme vous avez veillé sur moi pendant toutes ces années, Sana. Marketingment parlant, je trouve ça super cool et super bien pensé. Le fait que toutes les clientes et consommatrices d'Autrera soient un peu une team. Pour ce qui est des produits, on a 5 bases. The Game Changing Primer, parce qu'elle voulait changer le game en créant sa base parfaite à ses yeux. À ses yeux, basta... Non, ok. Non mais rien, vas-y, laisse tomber. Sa teinte, c'est la numéro 2 et je pense que comme on a un peu le même type de peau, ça sera aussi la numéro 2. Et on est sur une base de 8 ml fabriquée en Italie. Formule crémeuse vegan qui contient de l'acide hyaluronique. Alors ça, ça va être super pour mes petites ridules. Ensuite, les 12 pinceaux, la houppette, tout ça, je vous décrirai ça en l'utilisant. Et je vais surtout maintenant ouvrir la palette qui s'appelle The Beginning Palette. Il y a 16 couleurs dedans. Il me semble que tous les fards sont vegan sauf un. Je crois que c'est le Diane qui n'est pas vegan. C'est une palette qui est en relief, qui est un peu triangulaire. On a le petit médaillon juste ici doré. La palette s'ouvre comme ça. On a le film plastique, c'est pour ne pas tâcher la palette. Si je puis me permettre, moi les plastocs ça m'emmerde, je ne vais pas le laisser, mais si ma palette se retrouve tachée, je vais avoir les boules. Ça aurait peut-être pu être cool, mais je pense que ça aurait coûté bien plus cher de mettre un plastique, vous savez, qui est vraiment collé et qu'on puisse vraiment faire comme un livre en fait, plutôt qu'un truc volatile, parce que clairement je pense qu'on va pas être beaucoup à le garder, c'est chiant. Et en même temps c'est un bel objet qui a quand même son prix, donc on n'a pas envie de le retrouver taché. Donc sur le long terme, ma foi, sur les réseaux je vous dirai si ça l'a taché. Ensuite tu ouvres comme ça et tintintin, t'as d'autres couleurs et un miroir. Best thing ever. J'ai déjà taché la palette avec mes doigts parce qu'il me restait un peu d'huile sur les mains. Ça m'embête parce que moi j'aime bien garder mes belles palettes. J'aime pas trop les salir et là c'est déjà sali, donc bon c'est pas grave. La matière est belle mais un peu salissante. Et alors chose vraiment que moi je n'avais jamais vue en maquillage, je savais même pas que c'était possible et je trouve que c'est la meilleure chose. C'est trop trop bien pensé. Derrière vous avez un élastique pour pouvoir tenir la palette. Mais meuf, c'est hyper pratique. Tu prends ton petit pinceau, ta 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 ta. Et c'est pensé pour les droitiers et pour les gauchers. Pour les couleurs évidemment il y en a déjà qui me tapent à l'œil. Je pense que la couleur qui fait le plus envie à tout le monde dans cette palette, c'est Malala, qui est un vert émeraude absolument magnifique. Ça c'est le genre de couleur qui va extrêmement bien aux yeux marrons, donc franchement c'est clair que je vais faire joujou avec celle-là. On a des paillettes, des irisées, des nacrés, on a aussi des mattes. Apparemment tous les fards n'ont pas la même compo, ne sont pas formulés de la même manière, et le noir m'intrigue vraiment parce qu'elle a dit qu'il était étirable, qu'elle faisait ses traits de liner avec ça, et moi vous savez que les traits de liner avec un fard et un pinceau biseauté, je trouve que c'est la meilleure chose, donc j'ai trop trop hâte de voir ça. Sinon les couleurs sont super bien choisies, je trouve que ça lui ressemble. Selon le mood, on peut vraiment se faire des maquillages totalement mais différents. Est-ce que ça vous dérange si vous voyez un petit peu le miroir là? Non, c'est
ne dérange pas. Merci les IZ, franchement vous êtes trop des amours. Dans un premier temps, je vais utiliser la fameuse base The Game Changing. Je vais la mettre sur vraiment toute ma paupière jusqu'au sourcil. Je vais descendre un peu. Ah non! Premier truc, un tout petit peu gênant. C'est la mousse au bout de la base. Je suis pas très fan de ce genre d'embout. C'est comme l'anti-cerne, je ne sais plus, Maybelline, il me semble. T'appliques machin, tu mets ton produit, nanana. Après, tu refermes. Forcément, tu peux pas le laver sous l'eau et avec du savon parce que ça va rentrer dans le produit à l'intérieur. Mais si tu touches pas, bah ça sèche et à force des applications, l'embout devient tout dur, inutilisable. Après, rien n'empêche de mettre sur la main, prendre un de ces fameux pinceaux et l'appliquer sur la paupière. Je vais quand même essayer. Je vais essayer de l'appliquer quand même avec l'embout. Si j'en mets dans les sourcils, c'est pas grave, je prendrai un coton-tige et je nettoierai. Encore une fois, mon teint n'est pas fait. Donc voilà. Non, j'aime pas. Je vais prendre un pinceau, les amis. Alors, Sana, par contre, le nom des pinceaux, toi, ça se voit que t'as des bons yeux. Mais moi, je suis myope, je vois rien. En tout cas, les pinceaux sont vraiment trop, trop beaux. Ils sont vraiment magnifiques. Hein. Y4, pinceau à paupières, il fait tout. Et ben, on va voir s'il fait tout. Je vais appliquer ma base avec. C'est grave, grave doux. C'est super agréable à utiliser. Elle me paraît un peu grasse. Après, je pense que ça dépend peut-être de mon type de peau. Moi, j'ai la peau mixte. Mais là, ça me paraît un peu gras. Je descends parce que après, je vais tout nettoyer avec un coton quand j'aurai fini mon make-up des yeux. Hein, donc, vous inquiétez pas. Je vais en remettre un petit peu de ce côté pour vraiment que ce soit bien 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 opaque. Je la trouve légèrement, mais vraiment légèrement collante. Mais franchement, c'est pas gênant du tout. Va falloir vite que je la poudre parce que moi, elle file dans mes paupières. Mais je pense que j'ai les paupières trop grasses aujourd'hui, en fait, tout simplement. En tout cas, la pigmentation est quand même folle. Je pense que vous voyez par rapport à mes cernes et tout. Et par rapport à tout à l'heure, ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. On va prendre le pinceau diffuseur. C'est le Y1. Et en fait, c'est hyper pratique. Les pinceaux pour le visage, ça commence par V. Et les pinceaux pour les yeux, ça commence par Y. Comme ça, si t'es fan de make-up, mais un peu concon, on te facilite la tâche. Je vais prendre la teinte Jeanne, qui est le blanc cassé mat. Je vais bien voir s'il matche bien avec cette base ou pas. Alors, faut vraiment que je réétale à chaque fois la base. Je vais la poudrer tout de suite, là, comme ça, on sera tranquille. C'est légèrement poudreux, hein, ça fait des chutes bah, dans la palette, forcément. En termes de pigmentation, pour l'instant, ça me paraît pas trop mal. Ensuite, je vais prendre mon petit scotch. En fait, là, quand on pose le scotch, le plus important, c'est vraiment de faire la même chose des deux côtés. On est bon, guys! Je vais prendre le Y5. Ça doit être le pinceau précision, logiquement. Définition et précision, Y5, je suis trop forte. Je vais prendre le fard Meaza, qui va me servir d'espèce de teinte de transition. Test de la poudre. C'est poudreux quand même, mais je vous l'ai toujours dit sur ma chaîne, je préfère mille fois un fard qui est poudreux mais qui va s'estomper et se travailler facilement qu'un fard qui n'est pas poudreux mais qui, une fois qu'il est posé, tu peux plus le toucher quoi. Je vais mettre ça au-dessus de mon creux de paupière, hein, on va tricher comme d'habitude. Je l'ai trop bien mis du premier coup, faut plus que je touche à rien. Incroyable ce fard, il s'estompe si bien. Attendez, je rapproche le miroir, tant pis si la lumière est moche, mais il faut que je le voie de plus près. Oh, trop beau! Est-ce qu'on dirait pas que je l'ai travaillé pendant 5 heures là? Il s'est estompé super facilement, j'adore. Je sais pas si c'est le pinceau ou si c'est le fard, mais là il se passe quelque chose d'incroyable, les amis. Je vais en rajouter ici. Juste sous le sourcil. Ensuite, avec le même pinceau que je vais rapidement essuyer, je vais prendre le fard Nazik, qui est un kaki mat. Je sais pas trop ce que je suis en train de faire. En fait, je vais faire la même chose, mais juste en dessous. Là, on peut tout à fait descendre. De toute façon, après, je vais mettre le fard noir, vous vous doutez bien. Je vais essayer de bien fondre les deux couleurs entre elles. Franchement, les pinceaux sont fous, j'adore. Petite déception, là, de ma part. À part le pinceau Y4 que j'ai déjà utilisé, le pinceau qui fait tout, on n'a pas vraiment de pinceau plat, c'est-à-dire que là, les trois comme ça, c'est plus de l'estompage. Ensuite, on a le pinceau précision et on a le pinceau biseauté. Tout ce que je sais, c'est que je vais utiliser le fard Simone, qui est le fard juste ici. C'est un fard noir et vraiment, je vous ai dit, c'est l'un des fards que j'avais le plus hâte d'utiliser et de travailler. C'est trop marrant, on dirait un fard crème et en même temps un fard poudre. J'en ai mis sur le pinceau biseauté et je vais aller au ras du scotch. Oh! Eh, y a moyen de se faire des bêtes de liner avec ça, mais vraiment par contre. Mais j'étais pas partie sur un liner, donc là je suis déçue. Moi je voulais pas faire un liner, je voulais faire un fondu. Juste pour le kiff, je vous montre qu'on peut se faire des bêtes de liner. Par contre c'est magnifique, j'adore. Je crois que le fard noir ça va être mon préféré. J'ai vraiment envie de le fondre, de le monter. Voilà, c'est ça que je voulais. Je vais préciser avec le biseauté. Au niveau du milieu de l'œil, je vais le fendre. Par contre, le fard noir au pinceau biseauté, il s'attrape super bien. Au pinceau comme ça, précision, un peu moins bien. Je sais pas si vous allez voir. Moi, je voudrais vraiment que ce soit très, très, très intense. Et effectivement, il chute un petit peu. Mais après, vu la qualité du fard, franchement, c'est pardonnable. Et ensuite, vers ici, évidemment, je vais mettre le fard Malala qui est juste sublime. Et je pense honnêtement qu'il y aura rien de mieux que de l'appliquer. Oh là là, regardez cette beauté. Il y aura rien de mieux que de l'appliquer au doigt. Ce genre de fard, c'est beaucoup mieux au doigt. Je peux tester au pinceau pour vous dire comment ça adhère. Ouais, non, tu vois. Non, vous voyez, ça n'adhère pas du tout parce que pour moi, il faut vraiment choper toute la matière et toute la matière, tu la chopes en y allant au doigt. Je pense que là, il n'y a pas à négocier. Qu'est-ce qu'il est beau, ce fard, putain. Et je vais venir vraiment étirer le vert dans le noir.
J'ai envie de tenter un truc. Je le tente ou pas? Oui, car le maquillage, c'est aussi s'amuser. Je vais nettoyer mon petit pinceau biseauté et l'humidifier et je reviens. Et maintenant, je vais prendre le fard Isadora, qui est juste ici, qui selon les lumières ressemble à une espèce de pêche, un bronze orangé. J'ai envie de tracer un trait au-dessus du fard noir. Je vais la tenter, mais là, il y a moyen qu'on soit en musique parce qu'il faut que je me concentre. Oh, c'est trop beau, vous voyez ou pas? Franchement, il faut prendre le temps juste parce que le pinceau chope pas très bien, mais c'est trop beau. Oh, je sais pas quoi faire pour le ras de cils inférieur. Je réfléchis, Auréa réfléchit. Je vais finir le ras de cils inférieur après, quand j'aurai fini mon teint. Est-ce que vous voulez qu'on fasse le reveal et qu'on enlève le scotch? Oh là là! C'est magnifique, wesh. Si vous êtes à ce stade de la vidéo et que vous voulez que je fasse le même type de make-up mais avec l'autre côté de la palette, c'est quoi ce crash test? Y'a que la moitié de la palette qui est utilisée. Allô, j'ai que deux yeux, merci. Dites-moi dans les commentaires si vous voulez que je vous fasse soit une story ou alors une IGTV, un réel, je sais pas, pour vous montrer ces couleurs-là. Mais là, franchement, c'est tellement joli, j'ai envie de faire la même chose de l'autre côté, je suis désolée. C'est ce que je vais faire hors caméra avec le teint nettoyé et puis ensuite, on se retrouve pour continuer à utiliser les outils. Non, l'aspirateur se lance! Mais non! C'est le moment, tu viens de lancer l'aspirateur, non mais je rêve. Voici où on en est au niveau des yeux. J'ai rajouté des faux cils. Franchement, j'étais pas chaude de rajouter des faux cils parce que ça fait très longtemps que j'en ai pas mis. Mais bon, là, je me suis dit, allez, pour le kiff. J'ai mis les Tarteist et c'est centre de l'attention. Voilà, je te le dis pas en anglais parce que center of attention, ouais, bon, bref. Je vous mettrai évidemment la ref dans la barre d'infos. Et j'ai tapoté par-dessus avec le pinceau biseauté et le noir de la palette. Et maintenant, on est parti pour le teint. J'ai été humidifiée, cette éponge bien trop satisfaisante. La forme est hyper particulière. Vous avez un côté plat qui va vraiment servir à faire les précisions sur le visage. Écoutez, j'aime beaucoup cette forme, ça change. Le seul bémol, c'est la couleur. Je sais que c'est dans l'identité visuelle de la marque, etc. C'est juste que les éponges claires comme ça, même si tu les laves tous les jours, au bout d'un moment, ça prend la couleur du fond de teint et c'est pas très joli. On verra bien sur le long terme. Pour le teint, je vais commencer avec le Perfecteur Skinero de chez Herborian. Je vous en ai parlé dans ma dernière vidéo. J'aime trop m'en servir en base de maquillage. Pour le teint, je vais prendre le faux filter mat de chez Huda Beauty. Tac, tac, tac. Et testons cette éponge. Sana et les gars, vous m'en voudrez pas, vous savez que moi, les éponges, j'aime pas trop. C'est très rare que je me maquille à l'éponge parce que ça fait des traces, je trouve. C'est tellement plus naturel au pinceau. Est-ce qu'il y a... Ben, j'ai même pas regardé les pinceaux. Ça, apparemment, c'est un pinceau teint. On va faire un côté à l'éponge et un côté au pinceau, comme ça, vous pourrez voir la différence. Après, c'est une éponge, tout ce qui est plus classique. Voilà, là, je vois pas de grande diff. Mais après, ça, c'est vraiment une question de goût personnel, je pense, à mon avis. Apparemment, là, on peut vraiment aller dans le coin du nez. Ouais. En fait, c'est vrai que ça épouse les formes, mais je sais pas si vous allez voir, je la trouve trop molle. Là, le problème, c'est que ça épouse bien la forme, mais ça appuie pas assez bien, donc ça n'étale pas bien, quoi. C'est pas que j'aime pas, mais j'aime pas travailler mon teint à l'éponge, donc ça me plaît pas trop. Du coup, je vais prendre le pinceau V1, il a l'air bien dense. Ah ouais, non, mais... Franchement, ça n'a rien à voir. Oh, Auréa ! Y a aucun doute, je préfère tellement travailler mon teint au pinceau, c'est incroyable. Déjà, tu utilises beaucoup moins de produits. Est-ce que ce pinceau fait des traces, d'ailleurs? Il en fait pas et c'est magnifique. J'ai l'air un petit peu blanche, là, à la caméra, c'est bizarre parce que c'est vraiment ma teinte, ce fond de teint. Je préfère tellement le pinceau. D'ailleurs, ce pinceau est très bien. Ma foi, il est agréable à utiliser. Ensuite, on a le double pinceau cerne applicateur et fixateur. Il me fait beaucoup penser au fond de teint Huda Beauty pour les cernes, qui est vraiment mon pinceau préféré pour appliquer l'anti-cerne. Je vais mettre une première couche avec ce fameux pinceau. J'ai trop hâte de voir s'il est aussi bien que le Huda. Je l'aurais fait un tout petit peu plus court. Ceci dit, c'est très naturel, je pense que vous voyez, et vraiment, j'adore ce pinceau. Même si plus court, ça aurait été vraiment parfait de chez parfait, il est quand même génial. Et vu comme il est coupé, il est quand même précis. Le fait que ce soit un peu biseauté, c'est juste mais génialissime. Je vais même l'utiliser là, moi perso, pour les narines. Là, je vais vraiment tapoter légèrement, histoire de garder le plus de coloration et de pigmentation possible. Ce pinceau est extraordinaire, les amis, hein, vraiment. Pour l'instant, c'est l'un de mes produits préférés. Avec ma poudre Laura Mercier, je vais utiliser l'autre côté du pinceau. Ça aussi, j'ai vraiment trop hâte de tester pour poudrer mon anti-cerne. Comme ça, je vais pouvoir faire mon ras de cils aussi. Le pinceau pour l'anti-cerne, je suis vraiment pas déçue. Je sais que les cernes, c'est un problème chez Sana et c'en est un chez moi. Franchement, j'aime beaucoup. Je suis agréablement surprise. V4, pinceau bronzer. Faut pas avoir une petite tête, hein. Je vais prendre les sahariennes de chez Yves Saint Laurent. Et on va bien voir ce que ça donne, ce petit pinceau V4. Il est vraiment légèrement parce qu'il me paraît big, ce pinceau. Mais ouais, mais non. Parce que non, je dis n'importe quoi. Il y a un pinceau contouring et blush et c'est le V5. Ah, c'est celui-là. Bah ouais, mais si tu veux faire ton blush, tu peux pas faire ton contouring et ton blush avec le même pinceau. Sana, maline, hein. Comme ça on est obligé d'en acheter 50.
Du coup, je vais me faire une espèce de contouring, bronzing assez diffus. Je trouve qu'il attrape pas beaucoup de matière. Je suis obligée de faire beaucoup ça quand même, alors que ce bronzer, je sais que j'ai pas besoin d'en mettre beaucoup et que c'est très pigmenté. J'ai complètement oublié de poudrer mon teint. C'est parce que j'ai l'habitude d'utiliser des produits crème. Et en fait, quand j'utilise des produits crème, je poudre après, quoi, à la toute fin, c'est normal. Ce que je vais faire, c'est que je vais en profiter pour utiliser la houppette, parce que j'ai vu que dans sa vidéo où elle se maquillait avec ses produits, elle l'utilisait pour faire une espèce de contouring comme ça. La houppette est trop belle et vraiment, je trouve qu'elle a raison. Le côté précision comme ça, avec les côtés, c'est super bien. En tout cas, elle est très bien parce qu'elle attrape vraiment la poudre. Elle fait pas semblant, tu vois. Avec le pinceau poudre, le V3, en attendant, je vais poudrer mon front et tout le reste. Et j'enlève ici parce que ça a assez agi. C'est trop beau. Elle est vraiment bien cette houppette. Je peux pas faire 15 000 inventions de houppette, mais par contre la forme est vraiment cool pour ceux qui aiment bien se faire du contouring. Le petit V5, le pinceau blush. Orgasm de chez NARS, valeur sûre. En fait les pinceaux sont hyper souples, mais parfois j'ai l'impression qu'ils sont un petit peu trop longs quoi. Bah pareil, je l'aurais fait un tout petit peu moins long, parce que tu vois, si tu veux un petit peu appuyer ou être précis, le truc se tord en mille. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Je suppose que c'est une question de goût et d'habitude. Ensuite illuminateur, comme dans ma dernière vidéo, je vais prendre le Sephora. Je suis très étonnée qu'on n'ait pas eu d'highlighter. À mon avis, c'est ce qui nous attend ensuite. Je prends le pinceau V6 qui est le pinceau highlighter. Ah, il est pas super précis. Mais c'est trop bizarre. Je pense que vous allez voir, il a été un peu trop bas. Alors voilà. Et donc je vais essayer d'utiliser vraiment juste le bout du pinceau. En tout cas, ça diffuse bien, mais peut-être un peu trop. Je vais en mettre sur le bout du nez. Et avec le V3, le pinceau poudre, je viens... Hop, balayer un petit peu tout le visage comme ça, tac tac tac. Je pense que je vais faire dans la continuité. Je vais prendre mon pinceau biseauté avec le fard noir. Alors là j'ai fait mes cernes, donc ça n'a pas intérêt à faire des chutes parce que je vais pas être très contente. Et là je vais dire des gros mots. J'essaye de nettoyer le pinceau précision. Il est bien ce pinceau en fait, je l'aime beaucoup. Pour estomper, en fait je voudrais mettre du vert ici, mais légèrement, et si j'y vais au doigt, ça va pas être assez précis. Donc je vais vraiment y aller étape par étape, et vous voyez je vais fondre le vert avec le noir que j'ai mis juste avant. Je vais aussi en mettre un petit peu en coin interne. Again and again, j'ai renettoyé le pinceau biseauté. Je vais venir l'humidifier cette fois-ci avec le fixateur de chez MAC. Je vais prendre le fard Isadora, celui que j'ai mis juste au-dessus, pour fermer en fait le liner noir. Il faut vraiment poser, poser, poser. J'ai pris un crayon Colorful de chez Sephora. C'est une espèce de marron bronze. J'avais pas de vert malheureusement, et noir, je pense que ça aurait fait trop. Donc marron, ça va intensifier sans faire pour autant trop méchante. Ah, j'ai des chutes, alerte aux chutes. Ah, magnifique. Ils sont bien les pinceaux. Hein. Petit coup de mascara, je vais prendre le Bambi Eye de chez L'Oréal Paris. C'est vraiment l'amour de ma vie en termes de mascara. Et en plus petite dédicace parce qu'on avait filmé une campagne digitale pour L'Oréal Paris avec Sana. Et du coup voilà, c'est la petite ref. Je colle mes vrais cils avec les faux et je viens évidemment en mettre en ras de cils inférieur. Oh putain, j'ai plein de poudre dans les cheveux et personne me dit rien. Mais comment j'ai fait mon compte moi pour foutre plein de poudre comme ça? Bon bref, on se retrouve avec les sourcils. C'est quand même mieux avec les sourcils de fée. Pour les lèvres, je vais mettre un rouge à lèvres de chez Urban Decay, c'est une valeur sûre. C'est un nude et je pense que ça ira très bien avec ce maquillage. Comme d'habitude, Prep and Prime de chez MAC. Oh mais genre, mais putain, décidément ça veut pas, de chez MAC. Écoutez les gars, j'espère vraiment que le résultat vous plaît. J'ai fini de crash tester Autrera by Sananas. Alors qu'est-ce que j'en pense? Qu'est-ce qui est bon à garder et qu'est-ce qui est bon à jeter à la poubelle? Évidemment, rien ne sera jeté, c'est juste une expression. Commençons par la palette. Franchement, déjà en termes de packaging, je la trouve vraiment, vraiment jolie. Ça fait objet de collection. Les fards, eux, sont un petit peu poudreux. Il y en a qui sont vraiment très, très poudreux. Mais une fois que tu le sais, eh ben, c'est pas compliqué. Tu fais ton teint après. Mais sinon, franchement, c'est un vrai coup de cœur pour moi. Félicitations, Sana, parce que c'est vraiment, vraiment une bonne palette. Et au début, je vais pas vous mentir, quand j'ai vu les prix, je me suis dit, franchement, pour un premier lancement, pour une marque qui encore n'a rien donné. Pratiquement 50€ la palette, il faut être sûr de soi quand même. Et en fait, moi je la trouve juste extraordinaire. Si vous me suivez au quotidien sur les réseaux ou sur YouTube, vous savez que maintenant je fais plus trop de maquillage chargé, de maquillage coloré. Il y a une période où on a eu tellement de palettes sur le marché. Il y en avait tellement qu'on savait plus quoi en faire. Je sais pas vous, mais moi ça m'a lassé, ça m'a dégoûté des palettes, du maquillage, des trucs colorés et tout. Franchement, j'en pouvais juste plus. Et je pense qu'aujourd'hui, vous l'avez vu dans cette vidéo, je me suis vraiment amusée, je me suis éclatée.
en termes de créativité et tout. Je me suis dit, ah, je peux mettre telle couleur, faire telle forme, nanani, nanana. Ça faisait longtemps que je m'étais pas autant amusée et que j'avais pas pris autant de bon temps avec une palette. Et juste pour ça, merci au Trera. Donc franchement, chapeau l'artiste. C'est un très très bon rapport qualité-prix, vraiment. Ensuite, pour la base, j'ai pas un coup de cœur parce qu'il faut que je l'utilise un petit peu plus. Je peux pas vous dire en une fois un avis définitif. Elle s'applique bien et par contre, je vous conseille de la poudrer parce que sur ma paupière, je l'ai trouvée un tout petit peu grasse. Le prix, je le trouve très correct. Je sens au Trera nous faire exactement les mêmes bases mais en coloré. Alors là, ça serait incroyable. Pour moi, l'éponge, c'est plutôt un flop. Encore une fois, c'est parce que je n'aime pas les éponges. De toute façon, moi personnellement, ça m'a fait des traces. Pour moi, vous pouvez passer votre chemin. La houppette, par contre, j'ai beaucoup aimé, surtout la forme. Je trouve ça hyper ingénieux. On peut se faire son contouring, on peut s'appliquer sa poudre et même poudrer son dessous de l'œil. Elle coûte 12 euros. Je trouve qu'elle vaut son prix. Donc la houppette, par contre, c'est validé. Et ensuite, les pinceaux. Je pense que là-dedans, il y a vraiment mon produit préféré, à savoir le pinceau V2. Pinceau anti-cerne. Puis ensuite, pouvoir poudrer son anti-cerne, c'est juste génial. Il est incroyable. Il applique super bien l'anti-cerne. On peut bien le poudrer. C'est précis. Vraiment mon pinceau préféré et je pense qu'il va surpasser le Huda. Et s'il y a un pinceau que vous devez acheter là-dedans, c'est celui-ci. Vraiment appliquez votre anti-cerne au pinceau, vous verrez toute la différence par rapport à une éponge. J'ai pas parlé des packaging, mais ils sont vraiment super jolis. Encore une fois, on reconnaît bien la pâte de Sana. Ils sont qualitatifs, c'est des poils synthétiques. Et ben on dirait pas du tout. Ils sont vraiment extrêmement doux. Et ils sont pas lourds, mais tu sens que c'est pas de la merde. Et surtout, ils diffusent super bien. Alors des fois, je vous ai dit que je trouvais qu'il y avait peut-être un peu trop de poils ou que c'était un peu trop long. Je trouve que au moins ceux qui sont un peu experts en make-up sauront dealer avec ça. Et les débutants, ça va beaucoup les aider parce que c'est difficile de faire des gros pâtés de contouring, de faire des gros pâtés de blush. Ils diffusent super bien. Vous l'aurez compris, dans l'ensemble, c'est quand même hyper positif. Moi, j'aime beaucoup l'histoire de la marque. Je trouve ça incroyable qu'une créatrice de contenu puisse sortir sa marque. C'est pas la première, mais on voit qu'elle a pris son temps pour faire quelque chose qui lui ressemblait. On n'est pas copine avec Sana, on n'est pas amis. On se parle quand on se croise en tournage, etc. Mais c'est quand même quelqu'un que j'apprécie beaucoup et je suis fière de voir une créatrice de contenu, voilà, monter des projets pareils et en plus les réussir parce que c'est pas le tout de se lancer dans 50 000 projets en même temps. Et là, c'est vraiment réussi et je pense, à mon avis, que la marque Autrera nous a pas montré encore tout ce qu'elle avait dans le ventre. J'espère qu'elle nous prévoit des produits teints. N'hésitez pas à vous me dire dans les commentaires ce que vous pensez des produits, si vous les avez testés, si vous les avez pas testés, pourquoi, est-ce que c'est trop cher, est-ce que les couleurs vous plaisaient pas, est-ce que vous attendez la suite, quel est le produit qui vous tente le plus, et puis surtout, bah dites-moi qu'est-ce que vous pensez de mon maquillage quand même. Moi, je reste la star de la vidéo quand même. En tout cas, moi, je me suis éclatée à faire cette vidéo, donc si vous êtes éclatée à regarder, on n'oublie pas le pouce vers le haut et de s'abonner à ma chaîne et à mon Instagram. Sur ce, moi, je vous fais très gros bisous, je vous dis à la prochaine, et surtout, prenez soin de vous. Ciao. Mais c'est pas ça, mon outro. Bah si. Si, carrément.